Est-ce que vous n'avez jamais éprouvé soudainement le frisson de la peur? Votre sixième sens bien connu vous avertit d'un danger qui vous menace. Quelque part dans ce brouillard, quelqu'un vous observe, prêt à vous attaquer. Vous avez été gazé, vous avez reçu une flèche dans la tête, vous avez été atteint d'une balle de P-38, et c'est votre assassin qui vous parle. Vous êtes maintenant feu le célèbre Simon Templar, le saint. Faut toujours que tu ailles trop loin. Monsieur Templar, voulez-vous un peu de thé? Il est normal de continuer avec l'empoisonnement. Oh, si vous voulez bien me suivre, je vais vous expliquer la situation.
je suppose que nous ferions bien de nous présenter. Je m'appelle Jenny Turner et voici Gray Wyler. Nous sommes étudiants en psychologie. Les plus mauvais de la classe, je présume. Monsieur Templar, nous jouions au jeu de la mort. Ah, mais ça doit toujours passer le temps. Oui, cela fait très film d'horreur, mais c'est très intéressant. Sauf quand Gray va trop loin. Voulez-vous un peu de lait? Sans arsenic. Ah, voilà qui est amusant. Les participants sont divisés en deux groupes de joueurs, les chasseurs et les victimes. À chaque victime correspond un chasseur, mais elle ignore qui c'est. Oui, la marelle offre moins d'intérêt. Merci. Vous avez deux points si votre technique se révèle très brillante. Vous en avez un si elle ne se révèle qu'efficace. Si vous tuez un innocent par erreur, on vous retire deux points. Et la personne qui atteint 10 points gagne la considération due au vainqueur. Il y a des prix aussi. Vous devriez essayer de jouer, je vous assure, c'est passionnant. Alors tous les étudiants de ce pays ne songent plus qu'à mettre au point le meurtre le plus ingénieux. Ah, ça vous pouvez le dire. Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Bill Bast vous avait proposé comme victime. Cet imbécile a parié que je n'arriverais pas à tuer le grand Simon Templar. J'avoue que je pensais avoir beaucoup plus de difficultés. Désolé de ne pas avoir été votre homme. Et qui est donc ce Bill Bast? N'ayez crainte, vous allez le voir. Allez, buvez vite, nous allons être en retard. Et en retard pour vous, à moins que ce soit inscrit. Non, monsieur Templar, vous avez été beau joueur jusqu'à présent. Vous ne voulez pas continuer? Jenny, je ferai tout ce que vous demanderez. N'oubliez pas la chandelle. Nous voudrions que vous nous rendiez un grand service. Nous sommes invités à une soirée. Mais elle ne sera pas banale. Non, nous procédons à la distribution des prix. En fait, ce sera vous si vous venez. Si je... Oh, voyons, dites oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est mon taxi. C'est moi qui l'ai décoré. Quel extraordinaire sens de l'originalité elle a, notre Jenny. C'est le cas de le dire. Et Bill, c'est gagné, on le ramène. Et vous avez perdu, Bill. Il serait mort sans s'en rendre compte. Oui, j'ai été très ingénieux. Monsieur Simon Templar, voici l'assistant de notre professeur de psychologie, Bill Bast. Ah, très heureux. Vous le plaisirez pour moi, je vous assure, monsieur Templar. J'ai cru deviner qu'ils vous ont fait participer à notre jeu. Il semble très intéressant. Et venez voir. On dirait Hamlet avec une perruque à la Charlot. Il est magnifique. Complètement idiote. Hé, Bill, Einstein a l'air de chauffer un petit peu. Oui, je sais, ce n'est pas grave. À tout hasard, j'ai ouvert les portes de derrière. On utilise cet appareil étrange pour jouer. Oui, nous introduisons des fiches qui comportent les principaux traits psychologiques des joueurs pour donner au chasseur la victime qu'il mérite. Et vous feriez bien d'aller là-bas tout de suite. Oh, bon sang, j'avais promis à Mary de l'aider pour la décoration. Gray, tu viens? Oui. Monsieur Templar, vous n'oublierez pas pour ce soir, je compte sur vous. Les prix seront distribués à 11h. D'accord, j'y serai. Vous êtes formidable. Monsieur Templar, vous êtes venu un peu parce que je le désirais. J'avais parié avec Gray Wyler. Oui, je le sais. En fait, je crois qu'il se passe quelque chose d'étrange chez nous jeunes. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh, je ne songeais pas à leur jeu de la mort. Il n'est pas dangereux. Un prétexte à oublier de pénibles études. Tout le monde s'amuse bien et personne n'est tué. Mais alors, quel est le problème? Le problème? Le problème est que j'ai peur. Je crains que... Ah, Bast? Pas encore parti? Si, justement, je m'en allais. Voici M. Simon Templar, Dr. Manders, professeur de psychologie dans cet établissement. Dr. Manders? Très heureux. Hein, il semble bien qu'il soit en voie de guérison. Est-ce que c'est le vrai Simon Templar? L'homme qu'on a surnommé le saint? Et vous avez deviné juste. Il remettra les prix à la soirée. Oui, c'est vrai. Oh, ça ne vous ennuie pas que ce soit lui? Je crois que j'aurais pu au moins être consulté. Docteur Manders, si cela pose des problèmes, je me ferai un plaisir de me retirer. Monsieur Templar, pas du tout. Non, il n'en est pas question. Donnez-moi un petit moment et je viendrai avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, comme je l'ai déjà dit, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir et c'est pourquoi je vous remercie de cette invitation. Et maintenant, nous arrivons au résultat du jeu de la mort. Premier prix, la victime, Alastair Davidson. Levez-vous, s'il vous plaît. Alastair a été tué par quelqu'un qui a totalisé 10 points. Gray Wyler. C'était plutôt simple, je dois dire. Alastair a l'ambition de devenir écrivain. Je sais comme nous tous qu'Alastair passe 12 heures par jour devant sa machine électrique à produire d'étonnantes histoires.
J'ai pensé à relier le clavier de la machine à un petit stylo lumineux que j'ai placé devant l'appareil. Quand Alastair a commencé à taper, ce joli petit stylo s'est éclairé. L'ennui, c'est qu'en fait, ce n'est pas un stylo ordinaire, mais un rayon laser, messieurs. Et en moins de 11 secondes, mon rayon a brûlé tous les organes vitaux jusqu'à la colonne vertébrale, y compris la moelle épinière, vous vous en doutez. Ce n'est pas trop douloureux. Très original. Et j'ai le grand honneur de vous présenter la deuxième de ce soir. La victime, Eleanor Knight, est-elle là? Et le chasseur, Jenny Turner. Je lui ai adressé un atomiseur grand comme ça pour son anniversaire. Et quand elle a eu fini de s'en servir, elle a vu ces lignes gravées au fond qui disaient « Vous avez été tué instantanément par de l'acide prussique très cher ». Je vous souhaite un joyeux anniversaire, votre dévoué chasseur, Jenny Turner. Le troisième prix du jeu de ce soir, victime David Green. Et le chasseur, Bill Bast. Merci. J'ai envoyé une lettre à David avec en tête du collège, lettre qui critiquait son travail. Lequel, il faut bien le dire, était excellent, bien entendu. Mais j'ai écrit au bas de la lettre, laissez-moi réfléchir, « Durant ces dernières minutes, vous avez touché une feuille de papier imprégnée d'un poison mortel que vous devez sûrement connaître, le phénylhydrazine. Vous êtes mort depuis 10 secondes, si je m'en réfère aux statistiques. Regret, oui, regret éternel de la part de votre chasseur. Et maintenant, je crois qu'il est grand temps de songer à vous révéler la nature des prix qui récompenseront les lauréats. Et je crois aussi que ce plaisir revient à un homme que vous connaissez, le docteur Mandas. J'ai reçu une subvention spéciale de la Fondation britannique pour l'avancement des recherches en psychologie et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle est de 500 livres. Et cette somme va être utilisée à envoyer nos 6 brillants vainqueurs se détendre une semaine gratuitement en Suisse. Une seconde. Leur place d'avion est retenue. Ainsi que leur chambre d'hôtel. Gray Weiler, Jenny Turner et Bill Bast vont partir à Zurich à 3h30 demain. Est-ce que ça vous plaît, Bill? Non, pas du tout. Vous devriez m'expliquer. Mais allons au labo. Oui, filez maintenant et je vous rejoins dans 2 minutes. Dites, personne ne vous a vu venir ici? Je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Écoutez, il est bien possible que je fasse beaucoup de drames pour pas grand-chose, peut-être, mais... Mais il y a 6 mois aujourd'hui, le jeu de la mort commençait à envahir un grand nombre d'universités de tous les pays de l'Ouest. Oui, rendez-vous compte, on y joue au Canada, en Amérique, en France, en Allemagne. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il était inconnu, mais d'une minute à l'autre, tout le monde s'est mis à y jouer. Vous trouvez ça bizarre? Oui. Pourquoi? Eh bien, avant tout, la Fondation britannique pour l'avancement des recherches psychologiques n'a jamais versé une subvention de 500 livres, mon cher. Manders dit que oui. Je suis sûr du contraire. Et pourquoi ça? Oh, eh bien, parce que je suis allé à la Fondation les interroger. Ils ne voyaient pas de quoi je voulais parler. Mm-hmm. Et il n'y a pas que ça. Ça remonte à 1 mois environ. J'ai été invité chez Manders. Il est parti à la cuisine chercher de la bière. J'ai remarqué une lettre qui traînait sur son secrétaire. Elle était assez courte. On lui demandait de se dépêcher d'envoyer un rapport complet sur le jeu de la mort et ses conséquences. Elle avait été envoyée par Adolf Vogler. Et vous avez eu le temps de voir d'où elle venait? De Zurich. Vous avez dit quelque chose à Manders? Non. Il est revenu avec sa bière. Oui, il est assez difficile d'avouer à quelqu'un qu'on a lu son courrier. D'autre part, il est mon supérieur hiérarchique. Mais il y a autre chose. Oui, 24 étudiants vont s'envoler vers Zurich dès demain, venant de toutes les parties du monde. Et vous voulez savoir qui paie le voyage? J'en ai l'intention. Vogler? Peut-être bien. Bill Bast.
C'est terrible. Oui, il semble que le jeu de la mort ait eu des prolongations. Comme vous dites, ça ne devait être qu'un jeu, Templar. Et personne ne devait aller aussi loin. Vous m'avez fait appeler, docteur Manders? Ça a marché. Je vous avais dit que ça marcherait, j'en étais sûr. Oui, c'est la plus parfaite façon de faire disparaître quelqu'un sans risquer de se tromper. Ou si quelqu'un d'autre que la victime décroche et vous répond, il suffit de ne pas faire résonner votre petit diapason. Ce sont des aveux, non? Vous êtes fou ou quoi? Allons, vous n'allez pas me dire que vous croyez que je suis mêlé à cette histoire. Mais il a trouvé avec quoi on l'a assassiné. Oh, Johnny, ne sois pas aussi stupide. Tout le monde connaît très bien cette astuce. Et puis je ne vois vraiment pas quel mobile m'aurait poussé à assassiner ce pauvre vieux Bast. À vous de nous le dire. À vous entendre, on croit que vous travaillez pour Scotland Yard, Monsieur Templar. Gray, ne faites pas l'imbécile. C'est une véritable tragédie. Que voulez-vous que je fasse? Que je m'effondre en pleurs devant son corps, sans doute. Pourquoi ne pas garder vos pleurs pour Scotland Yard? Ça ferait meilleure impression. Avec la police. Qu'est-ce qui se passera si Manders nous trouve chez lui? Nous n'en avons pas pour très longtemps. Vous avez déjà forcé des serrures, je suppose. Souvent. Votre complexe d'agressivité doit être énorme. Il est gigantesque, mais ma mère disait que j'avais un bon fond. Mais qu'est-ce qu'on est venu chercher? Ceci, en provenance de Suisse. Cher Manders, je joins à cette lettre la somme de 5000 livres que vous aviez demandé. Veuillez me tenir informé. Bonne chance, Adolphe Vogler. Il a dit qu'il avait reçu 500 livres, pourtant. Et il a dit qu'elle provenait de je ne sais plus quelle fondation. C'est un escroc doublé d'un menteur. Mais pourquoi? Eh bien, je l'ignore. Oh, regardez, c'est étrange. Pourquoi? Mais que peuvent-elles faire là, Simon? Résultat des effets psychologiques du jeu de la mort sur ses pratiquants. Les effets de la schizophrénie sur 1 000 000 d'étudiants, dont les plus vieux ont 25 ans et les plus jeunes 18. Vous ne voulez pas que j'interprète ça? Non, mais ce qui est étrange, c'est leur présence dans le bureau du docteur. Elles ne peuvent être déchiffrables que si on les fait passer sur une machine. Et la seule machine est au labo. Mm-hmm. Je pense que nous allons y faire un tour. Branchez-la, Jenny. Je vais peut-être savoir ce que Bill Bast voulait me dire. Au vu de ces résultats, là... Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une abréviation pour hypothèse. L'hypothèse suivant laquelle le jeu de la mort ne présente aucun danger est erronée. Il risque d'avoir de dangereux effets sur des personnes d'une faible stabilité mentale. Et il faut que soit offert aux gagnants du jeu de la mort les moyens de venir visiter la Suisse. 12% de ces étudiants ne retourneront jamais dans leur université. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourtant clair. Oh, c'est impossible. 12 des 100 prochains étudiants qui iront en Suisse ne pourront jamais repartir. C'est vrai? On dirait. Et que deviendront-ils? Je l'ignore. Moi, je le sais. Eh bien, pourquoi ne pas nous le dire? C'est confidentiel. Ah, et cette lettre de votre ami? Adolphe Vogler? Très vite, j'ai compris qu'on me l'avait volée. C'était très visible. Je savais que ça ne pouvait être que vous. Alors je voudrais cette lettre, monsieur. Non, je suis désolé. La lettre, Templar. Mais... Ah, Templar!
Vous avez raison. C'est loin d'être un jeu. Simon, attention! Vite, fichez le camp, Jenny. Nature agressive, indice d'hostilité. Mais où vous croyez-vous, vous êtes complètement fou? Oui, quand j'étais tout jeune et que je devenais hostile, comme on dit, mon père me flanquait un bon coup de martinet pour m'apprendre les bonnes manières. Mais c'est pour cette raison que vous êtes devenu le plus habile des inspecteurs de Scotland Yard, Claude. Oui, il a réussi à m'inculquer le goût de la discipline, du travail. C'est sûr. Et ses enfants ont l'air de se comporter comme des jeunes chiens irresponsables. Il y a des exceptions. Hein, c'est vrai. Il y a eu deux meurtres. Un seul. Manders s'est tué de façon accidentelle. Et il a tué Bill Bast pour l'empêcher de tout révéler. Vous pensez qu'il y a une organisation plus ou moins internationale derrière ça? J'en suis sûr. Mais pourquoi? Eh bien, je connais une seule façon de le savoir. Ah oui? Oui, en allant en Suisse en tant que Bill Bast. Ah, j'ai besoin d'aller voir un médecin. Si c'est un psychiatre, c'est inutile. Plus rien n'empêche les gens de lire dans vos pensées. Si par hasard on me le demande, je réponds que vous êtes Bill Bast. C'est exact. Vous avez réussi à vous frayer un chemin jusqu'en Suisse. Nous allons voir si vous vous sortirez des différents obstacles de notre jeu. Si vous voulez mon avis, vous avez 20 ans de trop. Je suis gentil. Ça se voit. Hé, Ti. Une bière? Ah, merci. Bonne chance. Vous aussi. Je me présente Joe Alston, Université de Californie. Los Angeles? Oui, c'est ça. Agréable, mais faut pas exagérer. Bill Bast, de Londres. Très heureux, mon vieux. Monsieur Alston, je peux vous demander quelque chose? Dis-moi tu et appelle-moi Joe et demande tout ce que tu veux, sauf de l'argent. Joe, qui t'a payé le voyage de l'Université de Los Angeles jusqu'à Zurich? Je crois que notre professeur de psychologie a eu une bourse de je ne sais plus quelle fondation. Pourquoi? Par curiosité. Ah. Mesdames et messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. C'est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à tous les vainqueurs du jeu de la mort. Nous espérons que votre séjour parmi nous vous sera agréable. Un petit déjeuner vous sera servi dans vos chalets individuels à partir de 8 heures. Que pensez-vous de cette fille? Tant pis pour les retards. Une jolie Suissesse. Il faudra la dégeler. Vous êtes prêt à dégeler n'importe qui, je suppose. Bon. Vous aurez le temps de vous livrer à presque tous les sports que vous désirerez. Attention, ce soir à 7 heures, le repas sera servi dans cette salle. Ensuite, vous aurez le temps de danser. Ah, et à minuit juste, nous pourrons passer un jeu que vous connaissez. Votre chalet va vous être désigné par ordre alphabétique. Laissez-moi vos fiches avant de vous en aller. Au chalet numéro 4, nous aurons Bast William. Puis au numéro 5, Bauer Helga. Numéro 4, c'est moi. Je voudrais bien savoir ce que tout ça veut dire. Ça, jeune fille, c'est la raison de ma venue ici. À ce soir, 8h. Entendu. J'aimerais savoir si tous nos brillants vainqueurs sont arrivés jusqu'ici en bonne santé. Oh oui, Herr Vogler. Excellent. Et l'affiche? Je me préparais à les photocopier, Herr Vogler. Je vous les porterai à la villa dans moins d'une heure. Excellent.
Je commence à croire que mon projet se révélera très bientôt immensément profitable. Oui, André. Alors, comment allez-vous, Monsieur Bast? Ah, très bien, merci. Vous voulez participer au jeu de la mort cette nuit? Bien sûr. Vous allez tirer dans ce sac pour savoir si vous serez chasseur ou victime. Le 88C. Vous serez chasseur. Et qui sera ma victime? Le 88V... c'est John Caton. Oui, il vient du Canada, il habite au numéro 22. Que Dieu ait son âme. Vous devriez savoir qu'il est quelquefois dangereux d'être trop confiant. Non, je n'ai jamais été aussi méfiant, ma chère. Le jeu commencera à minuit juste. Vous serez averti par la sirène de notre camp. Oh, Monsieur Bast. Vous nous avez quittés sans me donner les fiches que j'avais demandées. Ah, oui. Et voici. Je vous ferai donc ce soir, à la salle de danse. Oui. Leclerc, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ça va comme ça. Oh, je vais peut-être avoir envie d'observer nos brillants candidats, alors vous n'avez qu'à brancher le système de contrôle sur le mien et ensuite vous pourrez vous en aller. Bien. Bonsoir, monsieur. Mais je pense que l'élève le plus intéressant est un dénommé Gray Weiler. Regardez le rapport que nous avons reçu sur lui, Herr Vogler. Bon. Alors, dans ce cas, nous allons observer ce jeune homme. Quel numéro habite-t-il? Numéro 14. Voilà qui promet, on dirait. C'est ce que je croyais. Bien. Vous veillerez à lui offrir tout ce qu'il réclamera au point de vue arrangement.
Quelqu'un d'autre? Il est nécessaire de discuter le cas d'un seul de nos autres candidats, William Bast. Ah oui, c'est lui que Manders nous a signalé il y a quelque temps. Il nous a recommandé de nous méfier de cet homme. Il le considère comme obstructionniste. Eh bien, voyons toujours de quoi il a l'air. Chalet numéro 4. Les obstructionnistes risquent de devenir assez dangereux, je le sais. Surveillez-le sans arrêt. Une conspiration de psychologues, vous croyez? Très juste, elle est commandée par un certain Dolph Vogler. Oh, mais qui est ce Vogler? Eh bien, disons simplement que c'est l'un des plus grands maîtres chanteurs sévissant en ce moment en Europe. Est-ce que vous n'avez rien remarqué de bizarre dans votre chambre? Non. Il y a une télévision derrière votre miroir. C'est ridicule. Oui, mais c'est la réalité. Oh, et pourquoi? Minuit. Le jeu de la mort est commencé. Vous savez qui est John Gayton? Oui, c'est le garçon là-bas avec une grosse feuille sur son tricot. On m'a appris que j'étais sur la liste des gibiers, alors je file. Pas les chasses. Étant donné que je suis le chasseur, considérez que je vous ai tué. Et d'accord, je suis mort. Et si vous me sortez de là, je vous paye une bière. Tout de suite. Et voici les gagnants de notre jeu. Nous en avons trois. Avec le plus fort total de 20 points, William Batts. Deuxième avec 18 points, Gray Weiler. Troisième avec 16 points, Joe Halston. Il faut que les trois vainqueurs que je viens d'appeler remplissent ce questionnaire. Je passerai le chercher tout à l'heure, vers 4 heures. Merci. Oui, entrez. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? On avait rendez-vous pour jouer au tennis à 3 heures. Regardez. Il y a 966 questions destinées à révéler chaque détail de votre psychologie. Et je commence à avoir un de ces mal à la main. La dernière question. Si vous étiez invité à participer à notre jeu de la mort, sérieusement, avec un véritable meurtre pour objectif, pour un prix de 10 000 dollars, est-ce que vous envisageriez d'accepter? Vous avez dit oui, Simon? Et je m'appelle Bill. Oui, entrez. Ah, Jenny Turner. Oui, bonjour. Excusez-moi. Alors, vous avez fini? J'ai répondu à toutes les questions et en disant oui à la dernière. Ce questionnaire est confidentiel. Ah, bien sûr. D'autre part, les vainqueurs de ce matin ont été gracieusement invités par M. Adolf Vogler à passer la soirée chez lui. Le bateau quittera la Chotée à 7 heures.
Dites à M. Vogler que c'est avec une très grande joie que j'accepte. Mes amis, j'élève ce verre à votre santé et à votre avenir. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, messieurs, c'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire que j'économise mes mots. Si je vous ai invité à venir ici passer la soirée, très chers amis, c'est parce que j'ai la malchance de souffrir d'une grande pénurie d'un certain personnel qualifié. Et nous sommes susceptibles d'être employés. Oui, c'est très exact, monsieur Bast. Très exact. Mon organisation s'étend de jour en jour. Je cherche des débutants qui aient une grande force aussi bien physique que morale et plus particulièrement, j'ai besoin de jeunes gens dont la valeur a été psychologiquement essayée et prouvée, ce qui est votre cas. C'est pour cette raison que je suis entré en contact avec les professeurs de psychologie de toutes les grandes universités de ce monde. Et leur travail consiste à découvrir de jeunes talents qu'ils m'envoient. Et naturellement, ils sont bien payés. Bien entendu. Vous avez tous les trois répondu que vous seriez éventuellement d'accord pour jouer au jeu de la mort, en commettant un meurtre réel au lieu de cette parodie. Pour 10 000 dollars, comme convenu. Je vous rassure tout de suite, vous allez en avoir l'occasion dans moins d'une heure. Pardon, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Ceci vient juste d'arriver de Londres. Le docteur Manders et Bast ont été tués. Donc celui qui est chez Herr Vogler en ce moment est un imposteur. Et il pourrait faire échouer toute notre opération. Prévenez immédiatement Herr Vogler. Et maintenant, chers amis, que vous avez tous bu et mangé à satiété, ou du moins je l'espère, il est temps que nous jouions à notre jeu un peu plus sérieusement. Mais, monsieur Vogler, comment peut-on y jouer sans victime? Mais je vous assure que nous avons une victime, chers amis. Est-ce que vous avez vraiment cru que vous pourriez vous jouer de moi? Tous mes sélectionneurs sont des psychologues entraînés et connus. Ils cherchent celui qui fera le meurtrier idéal. Vous voyez, vos fiches ne concordent pas avec les excellents résultats que vous venez d'obtenir, n'est-ce pas? Monsieur Simon Templar. On doit tuer cet homme? Oui, c'est exact. Avant que nous commencions à jouer, laissez-moi vous parler de la vie de l'aimable Adolphe. Il débute juste après la guerre en montant une agence de détectives privés en Allemagne. Les problèmes qu'il ne pouvait résoudre avec de l'argent, il les résolvait avec un fusil, c'était plus sûr. Et il ne saisissait pas seulement la moindre chance, il la créait. Alors très vite, il lui a fallu chercher un assistant. Et puis 50. Puis 100. Oh, religieusement, si vous me pardonnez l'expression, il a accumulé les notes. Après 20 ans de ce travail, il a un dossier sur toutes les personnes plus ou moins importantes qui soient encore en vie aujourd'hui et qui ont de graves secrets à cacher. Et tout est soigneusement gardé ici. Aujourd'hui, il a la possibilité d'exercer sa profession de Marrakech à Montréal. Il est mêlé à tout ce qui est sale et immonde sur la terre. Et je dois bien admettre que ce travail lui rapporte assez joliment. Ah oui, c'est exact. Ça alors, c'est incroyable. Une organisation mondiale de chantage, si je comprends bien. Exactement. Vous voyez, certaines personnes n'écoutaient guère toutes les pressions que j'exerçais sur elles. Oui, alors j'ai naturellement dû les forcer à s'exécuter en les faisant disparaître, mais à contre-cœur. Et de préférence en utilisant un moyen qui fasse croire à un accident. Je dois vous avouer que je vous considère comme les candidats idéaux pour mon organisation, mes chers amis. Vous êtes engagé avec un salaire de départ de 120 000 dollars par an, si vous êtes d'accord. Et on commence par Templar. C'est exact. Et tous les deux, hein? Oui, cela fait deux contre un. J'en ai peur, mon cher monsieur Templar. Nous l'avons trouvé dans le jardin, monsieur Vogler. Oh, il fallait que je vienne, Simon. Mademoiselle Jenny Turner, n'est-ce pas? Je crois que vous arrivez bien. Voilà, mes chers amis.
Cela va sans doute rendre la partie égale. Oui, maintenant, vous serez deux contre deux. Étant donné que vous êtes un homme assez remarquable, je vous laisse une légère avance. Mais de quoi parle-t-il? Je vous donne 3 minutes, monsieur Templar. Attention, allez-y. Venez. Jenny, comment êtes-vous venue ici? Mais en barque. Où l'avez-vous amarrée? Là-bas, sur la jetée. Elle va sûrement être gardée, il faut traverser à la nage. Oh, Simon, je n'y arriverai jamais, voyons. On va voler la barque, mais c'est risqué. Venez. Oh. Simon, ils vont essayer de nous tuer. Oui, ils vont probablement réussir. Mais tenez, gardez ça. Oh. Allez, venez. Ils sont entrés dans la forêt juste en face de la maison, jeunes gens. Allez et ramenez-les-moi. Vous êtes sûr que ça marchera? Ça marchera grâce à vous. Allez, courez! Écoutez, Templar! Je vous offre 5 secondes pour vous montrer! Non. Allez, venez, sinon Jenny le regrettera! Non! Un! Non! Pitié! Mon bras! Deux! Trois! Laisse-moi, voyons! Quatre! Vite. Cinq, c'est fini! Allez, Jenny! Ça va, Jenny? Oui, je pratique ce sport toutes les nuits. Allez, venez, Weiner. Voyons si Vogler a une prime à vous donner. Oh.
déjà réussi à les tuer, monsieur Wyler? Vous faites erreur. Nos aussi étonnants psychologues se sont trompés eux aussi. Avancez. Bon, d'abord, vous allez tous les deux me faire le plaisir de brûler tous les documents qui sont enfermés là-dedans. Ouvrez. Il me semble que je vous ai sous-estimé, mon cher monsieur Templar. Il y a de merveilleuses possibilités dans mon organisation pour des hommes de votre courage et de votre habileté. Et je voudrais que nous trouvions... Les clés. Excusez-moi. Encore un jeune qui ne savait pas qu'il y a des jeux réservés aux adultes. Appelez la police.